Hey ma team Dude, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, vous l'aurez vu dans le titre de toute façon, une semaine dans ma pauvre propriétaire. Donc ce ne sera pas une semaine pile, parce que bah, encore une fois ce week-end je suis à Cherbourg, je ne suis pas là. Donc voilà, mais ça va être au moins 5 jours avec les poneys. Sachant que cette semaine j'ai les deux chevaux à m'occuper. Donc je suis désolée pour ma tête, j'ai mis une lunette de soleil parce que ce matin j'étais encore en Espagne. Et j'ai pris l'avion ce matin très tôt de Barcelone. Du coup j'ai un petit peu la tête dans le cul, hein, voilà, pour être poli. Parce que j'en ai que les chevaux m'ont en masque, que ce soit Rox et Rocky. Donc moi je les ai pas vus depuis vendredi, aujourd'hui on est lundi, mais pour l'instant plus les voir ce week-end. Ils m'ont rien fait. Ils sont trop obèses. Donc voilà, cette semaine, comme je disais, je suis en pleine révision de bac. Du coup pas forcément je m'occupe des chevaux toute seule. Et je leur ai fait un bon programme parce que là enfin, vraiment qu'ils se bougent. Et du coup voilà, aujourd'hui on commence tranquillement par de la balade pour les deux. Et toi t'es obèse, il est où ton masque Rocky? Y'a pas un problème là? Coucou mon chat. Ça va? Ouais regardez. Il est vraiment très gros comme vous pouvez le voir en ce moment. Oui bah c'est de toi que je parle Rox hein. La cantine elle est bonne. Là on se régale bien donc je suis un petit peu perplexe face à tout ça. Mais là en tout cas ouais, il a bien pris. Donc on va bien bosser cette semaine, bien bouger parce que j'ai pas envie qu'il devienne obèse quoi. Parce qu'après il reste de la crème. Donc ça c'est parce que je lui mets un produit chez CNC pour préparer son dos à l'effort. Je pense que je vais vous faire une vidéo de toute façon pour vous expliquer tout ce que je fais avec Rox pour que ça se passe bien. Donc là, il a mis ses petites protections et du coup on va sceller puis on va partir direct en balade parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Donc j'ai encore Rocky à sortir derrière et je me tâte encore pour savoir ce que l'on fait. Je pense que nous on va aller jusqu'à la rivière avec Rox et par contre je sais pas si avec Rocky je fais le même chemin ou si je vais en forêt, à voir. Balade avec mon petit doudou qui est un petit peu sur l'œil. Mais bon, je pense qu'il va être content de sortir un peu. On va voir si aujourd'hui il veut bien aller dans l'eau. Il a bien voulu passer la dernière fois, mais bon ça a été très rapide aujourd'hui, j'ai pris des carottes avec moi, donc on va voir si ça le motive un peu plus. Mais bon, faire un petit tour, que du pas je pense, parce que de toute façon on a le chien, donc c'est pas avec lui qu'on va taper des sprints, mais bon. La rivière et je suis plutôt contente parce que c'est vrai que Doudou attend. Depuis qu'on est arrivé ici, on essaie de leur faire passer mais ils veulent pas y aller. La première fois on était avec une amie et sa jument beaucoup plus jeune qu'eux, une jument de 5 ans qui rentrait dans l'eau et les nôtres ne rentraient pas. Mais bon, non Doudou, c'est pas un bonbon là. Moi je fais une vidéo, allez. Oh putain. Du coup bref, ils sont quand même rentrés. Après j'ai ramené Rox tout seul, ça a été un peu compliqué mais il est rentré. Julie a fait de même avec Rocky, pareil. Et même mieux Rocky que Rox parce que lui il veut bien rester dans l'eau. Rox panique encore un peu. Du coup bah, je pense que je vais l'emmener le plus souvent possible, au moins pour traverser une ou deux fois, qu'il s'y fasse tranquillement et pour qu'après on puisse aller dans le gué beaucoup plus grand cette fois. Et pour se baigner et nager un petit peu avec eux. Donc voilà, c'est en projet. J'espère pouvoir faire ça cet été, on verra. Mais dans tous les cas là il est passé donc je suis super contente et on continue notre petite balade. Rox est super calme en balade, facile à monter, etc. Bah là vous voyez, tout à l'heure il essaie de me virer,
parce qu'en fait, il y avait un cheval qui était devant nous, en gros. Et moi, je voulais pas qu'il le rejoigne. Et du coup, maintenant, il est super énervé. Et le cheval, il est parti dans un autre chemin. Il a voulu le rejoindre. Je lui ai dit non, donc ça a été cabré sur le coup de pluie. Et là, maintenant, bah, impossible de l'avoir au pas, quoi. Donc bon, voilà. Il a 24 ans, quand même. Je pense que je vais laisser galoper, ça va lui faire du bien. Donc il est déjà reparti avec ses potes brouter. Et là je m'occupe de Rocky. Je le brosse parce que monsieur a eu la bonne idée de se rouler juste avant que je le prenne, hein. Comme ça, ça rajoute du travail à Tata. C'est plus drôle. Moi, je vais me préparer assez rapidement. Puis on va se mettre à cheval et on va aller du coup en forêt. Bon bah voilà. Me voilà dos de quéquette. C'est parti pour un petit tour d'une heure je pense en forêt. On va voir ce que l'on fait. Now can you feel all of the emotions deep within? My love is so unreal. We'll let you write your name under my skin. And never let go, 'cause you and I, we're so beautiful, so beautiful. So let's just go around the world where it's so beautiful, so beautiful. And I know that you and I, we are the perfect breakup though. And as long as you will be there, my love will live on. So just don't mess all up. Tout propre, tout est relatif, hein. Parce qu'il a transpiré, du coup il a toujours les traces de la cendre, j'avais pas lui enlever, du coup bah on verra demain. Hop, je fais les petits pieds, c'est en train de sécher. Et là bah, je vais faire un truc qui va pas trop kiffer le pauvre. Je vais lui mettre un panier pour la nourriture parce que là comme vous pouvez le voir il est vraiment trop beau. Donc du coup on va un petit peu essayer de rationner ça parce que là il est qu'à l'herbe et on lui donne un tout petit peu de granulé, une poignée par exemple quand on travaille. Et pourtant il perd pas quoi. Donc il y a vachement d'herbe dans le pré donc ça aide pas. Et là bah, il est trop beau. Tu vas me faire la gueule mon chat. Mon bébé. And never let go. 'Cause you and I, we're so beautiful. So beautiful. So let's just go around the world where it's so beautiful. So beautiful. And I...